Parce que Patrick, on n'attend pas Patrick. Et là, je pense qu'elles vont attendre personne et qu'elles seront les premières. Patrick n'attendra personne. Voilà. Et maintenant, j'ai cassé la bouteille. Vous êtes prêts? 5, ils vont se faire 4, 3, 2, 1. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, ça va? Tout le monde va bien? Hello. Hello. Rendez-vous à Tokyo, bah c'est elle, hein. Rendez-vous à Tokyo. Mais à la télévision. Enfin, sûr, allez regarder à la télévision. J'irai pas. Bah là, ça y est, le bateau est baptisé. Sa première compétition, ça va être le championnat du monde. Et puis après, on le chargera en container pour qu'il parte pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Alors, ce midi, on a fait le baptême de notre nouveau bateau qui s'appelle Patrick et qui est parrainé par Franck Dubosc. Comment ça s'est passé avec Franck Dubosc? Et bah, c'était une belle surprise. On voilà, on connaissait pas vraiment avant qu'il arrive ici. On connaissait ses spectacles et ce qu'il faisait au cinéma, mais pas forcément le vrai bonhomme, quoi. Et bah, on a vraiment apprécié de l'avoir rencontré. On a pas mal échangé sur ce qu'on faisait, sur lui, ce qu'il faisait, donc c'était très intéressant de le rencontrer en tout cas. Je crois qu'on a choisi un bon parrain. Et juste un petit mot pour dire que là maintenant vous êtes prêts, vous avez un bateau qui est baptisé. C'est quoi la prochaine échéance? Je pense que c'est parce qu'on est tous, impressionnés, fiers d'avoir des sportifs. Il y a le mot Jeux Olympiques, il y a le mot français. Je trouve que c'est très positif comme démarche de les aimer. On les aime en général, quelque sport que ce soit, on aime nos sportifs. Et je pense qu'on les aime parce qu'on n'est pas capable de faire ce qu'ils font et qu'ils nous représentent. Donc je me suis dit, ah bah c'est une manière à moi de donner un petit coup d'élan, un petit coup de... j'ai pas les muscles, j'ai pas le souffle pour faire du sport à un grand niveau. C'est un petit peu le petit doigt que je vais donner pour le petit coup de pouce ou le petit doigt pour être avec elle et puis voilà. Alors je ne serai pas au Japon, hélas, parce qu'ils m'ont demandé plutôt de venir à Brest, mais c'est je vais chose que je fais rarement, je vais suivre la voile de très près cet été.